PEGI 18. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bodyguard Game Online, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous proposer un gameplay parfait. Donc c'est ma petite, j'ai l'impression que c'est ma petite semaine des gameplays parfaits. Donc vous attendez pas, je le fais pas tous les jours non plus hein. Donc de temps en temps je varie un petit peu les styles. Donc ici ce que je vais essayer de faire c'est beaucoup jouer à la tourelle. Donc franchement vous allez voir que la tourelle, si l'ennemi n'est pas assez malin, c'est que ça fait des sacrés dégâts. Parce qu'en général dès que vous posez une tourelle, vous êtes toujours confronté à avoir un mec qui déploie une grenade IEM et ça vous la neutralise, et en même temps vous avez pris le mort parce que vous dites merde, je me fais chier à faire ma série tout simplement, et en même temps le mec qui balance juste sa grenade IEM, il me la casse. Donc là je vais essayer de bien poster là où ils vont passer. Donc franchement vous allez voir que tout est possible en fait hein. Il suffit d'être un petit peu malin. Donc là je déploie le missile Storm, donc une petite, même pas, simple, je pensais faire une doublette mais non. C'est toujours comme ça, dès que vous déployez le missile Storm, ils ont le temps de se casser les mecs. Donc le foudroiement ils ont un petit peu plus de mal, hein. Donc c'est pour ça que je préfère un petit peu des fois privilégier le foudroiement. Parce que ça va beaucoup plus vite que le missile Storm, dès qu'on le voit on se casse. Hein. Et pour ceux qui savent pas aussi comment esquiver ce genre d'équipement, parce que je sais qu'il y en a encore qui galèrent un petit peu, hein, même si ça fait déjà un bon petit moment que c'est sorti, vous prenez l'atout invisible, c'est l'atout bleu, le premier, et en même temps vous êtes à l'abri. Donc ici je déploie une tourelle, parce que je sais qu'ils peuvent passer derrière. Donc là je temporise un petit peu, même pas, je regarde vite fait s'il n'y en a pas un ou deux qui vont se présenter à moi. Pour le moment il n'y a personne. Il y a toujours un mec qui passe, hein, donc ne paniquez pas. Ah bah tiens, drone. Et bah voilà, c'est ce que je disais, il y a toujours un mec qui va passer. Donc j'ai décidé de prendre ma tourelle, c'est un risque, hein, parce que si vous maintenez votre tourelle, il suffit qu'il y ait un ennemi qui vous tue, bah ça vous tue, vous et votre tourelle. Donc pourquoi s'embêter? Regardez, je veux passer par là. Oh merde, 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 il y a un mec. Vite, la tourelle. Oh lolo, regardez l'esquive. Oh yo 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 yo, c'est pas un bug ça, franchement les amis? Est-ce que vous avez vu cette esquive? C'est impressionnant, hein. Ah j'ai eu chaud, je pensais être mort là. Donc je déploie deux tourelles. Donc il y en a, ils vont me dire, mais Bodhi, t'es fou? Deux tourelles? Eh oui, deux tourelles. Et vous allez voir les dégâts à partir de ce moment-là que ça va faire. Vous allez faire, non, c'est pas possible. Donc, missile Hellstorm déployé. Allez, vas-y. Ah non, c'est le foudroiement. Oh lolo, et moi, des fois. Donc là, je me mets une béquille. Hein. Donc, il y en a, ils vont me dire, ouais, tu joues à la béquille. Non, 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 c'est de temps en temps que je joue à la béquille. Donc, je suis beaucoup Tomahawk, je suis beaucoup C4. Donc, commencez pas à dire comment je joue, parce que vous savez pas vraiment. Donc, c'est pas parce que ça y est, je joue dans un gameplay comme ça que ça y est, le mec, il fait que ça toute sa vie. Donc, observez les tourelles, comment elles font mal, très très mal. Donc là j'attends personnellement, pourquoi se précipiter hein. J'attends que mes séries se renouvellent hein. Donc je laisse un petit peu bosser les tourelles. Ah ouais, faut être malin hein. Faut pas non plus tout le temps courir hein. Je me suis un petit peu rendu compte que maintenant je m'embête plus hein. Regardez, encore une autre tourelle. Donc là j'ai eu limite chaud parce qu'avec la grenade Syntex il aurait pu vraiment me toucher. Donc là je vais essayer de déployer une deuxième tourelle, une troisième plutôt. Donc celle-là ils me l'ont neutralisé, bah j'en envoie encore une autre. Ils vont se dire mais putain, comment il a fait le mec. Donc là il y a deux mecs qui courent sur moi, donc maintenant je vais l'envoyer ici. Ah le missile Storm il a rien fait, ah je suis un petit peu déçu. Donc le foudroiement, on va voir s'il va faire pas mal de dégâts là. Vas-y Bodhi. Ouais deux mecs. Mais les tourelles je vous assure c'est vraiment, le truc qui fait le maximum de dégâts. Donc personnellement j'ai ramassé une trousse de pillards pour mettre ma béquille. Et je suis sûr qu'il y a un con qui va se la prendre, regardez bien. Donc personnellement je préfère même pas courir. Ah bah voilà, là il s'est pris la béquille, ça c'est trop beau ça. C'était la première fois que je faisais le mode surenchère en MME. Donc c'est comme ça, c'est la première fois que je l'ai découvert, c'est le tout premier gameplay. Donc après je me suis dit bah tiens, pourquoi bouger, pourquoi sortir bêtement, pour faire semblant que tu bouges. Je voulais faire un truc parfait, donc dès qu'on fait quelque chose de parfait, on va pas commencer à courir un peu n'importe où pour se prendre un dégât avec un sniper qui va respawn à 1 cm de moi. C'est pour ça que je me suis dit je préfère pas bouger mon postérieur. Ah oui, pour faire du parfait, faut un petit peu compter des fois. Hein. Donc regardez bien, les tourelles ont fait le... Mais un travail de fou, quoi. Voilà, 38-0 les amis. J'espère que ça vous a plu, c'était un MME Express. Donc voilà, donc comme quoi qu'avec des tourelles, on peut faire des sacrés dégâts.
Donc j'espère que la vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre des j'aime, des commentaires, abonnez-vous aussi à la chaîne, rien de très compliqué, vous appuyez sur le petit bouton rouge, le petit bouton orange, vous allez tomber sur cette interface-là, donc c'est un peu le même principe, hein. Si vous voulez avoir plus de vidéos sur moi, n'hésitez pas, j'ai pas mal de vidéos, donc bouton vidéo, vous avez tout ça, et si vous voulez des vidéos bien précises, vous avez la playlist, donc je vous dis à très bientôt, et si bien sûr vous voulez jouer avec moi, donc vous êtes tous les bienvenus, voilà tous mes pseudos, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.